quand je viens de déménager, je me suis rappelé de la douleur que c'était de transporter tout ça. Piment cabri. Oh, la chaîne qui pouaque. Tu veux mater ta chaîne qui pouaque avec des sneakers qui claquent? Oh, balance ta paire avec courir. Oh, allez, salut, c'est DJ Pone sur Piment Cabri. Alors, je suis plutôt Thomas Parent, puisque c'est mon prénom et mon nom de famille. Et je fais une distinction hyper importante entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Et je préfère ma vie privée à ma vie professionnelle. J'irais plutôt remède, plus que vaccin. Bon, après, je suis plutôt remède, mais j'essaie d'éviter d'aller dans le sens des vaccins. Mon âme est noire, il n'y a pas de remède. J'ai des troubles de la mémoire, il n'y a pas de remède. Je vais dire Birdie Nam Nam, parce que c'est la plus belle histoire de ma carrière. Chétan, 2000%. Ceux qui me connaissent, si je dis délivrance, ils vont rigoler, donc non, Chétan, c'est très bien. Oh, DJ Cut Killer, qu'est-ce que c'est que cette question? J'adore Goldfinger, hein, c'est un pote. Qui est d'ailleurs une personne qui... Je cherchais un disque pendant des années, vraiment, que je voulais. Et c'est Goldfinger qui me l'a sorti une fois. Il l'a reçu à sa boutique qu'il avait dans les Halles. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Donc ça, je lui dois ça. Mais dans Cut Killer, c'est ma vie, mon sang. Alors, je vais dire 1978. Par rapport à mon album, mais je suis pas trop quelqu'un qui vit dans le passé. Donc on va dire 1978 pour mon album, et même pas 2023, je crois que je suis plus 2024 en fait même. Non, je vais dire NTM, même si Casseur Flotteur, c'est pas le même genre d'histoire. Mais par rapport à qui je suis, mon passé, ma vie, non, NTM. NTM, forcément NTM. Ah, c'est une bonne question. Je pense que tout le monde me voit DJ et je suis compositeur. Maintenant, qu'est-ce que je préfère faire aujourd'hui? Non, je vais dire DJ en fait. J'allais partir dans un délire compositeur. Non, DJ, DJ. Version originale, toujours. C'est très très rare que je kiffe les... Il y a des remixes que j'adore, mais c'est quand même rare. Non, je suis plus dans la version originale. Moi. Je suis quelqu'un de très égocentrique, donc on va dire champion d'Europe en solo. Les Winkles. Triptych, c'est une très belle parenthèse de ma carrière. J'ai adoré être avec eux, mais Svinkel, c'est à l'intérieur de moi. Bah, je veux dire, René, merde, j'ai fait un postillon. Il va falloir qu'on fasse des réserves. Faut plus laisser perdre une seule goutte. René Club, j'y suis pas encore allé, mais je suis assez impatient. René Club, forcément. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que ça pourrait être un festival? Non, Hip Hop Soul City. Là, j'ai pas trop de réponses à te donner, mais non, Hip Hop Soul City. Ah, Hip Hop, 100 fois. J'aime beaucoup l'électro, j'ai baigné dedans pendant un moment, mais non, c'est... Moi, je fais du graffiti, je danse pas, je pense que j'en rêve un peu chaque nuit, mais non, Hip Hop, bien sûr, Hip Hop. Ça, c'est une question piège pour moi. Je vais dire Paradis avec Gringe. Parce que c'est un peu ce que je pense de ma relation avec lui. Bah, Odyssée. Odyssée, ça vient de sortir. C'est mon dernier projet, donc Odyssée. Troubles run like rivers, hold on to my shoulder. How can I say no to you? Alors je vais dire Friends, parce que c'est le premier morceau
que j'ai composé en 1978. Et j'étais à New York avec mon ex, je m'en rappelle. Donc on va dire Friends. Ouais. Vinyle, sauf quand je déménage. Quand je viens de déménager, je me suis rappelé de la douleur que c'était de transporter tout ça. Pivoter ! Pivoter ! Radiant, évidemment Radiant. Gringe. Les enfants, les dauphins, le cassoulet ! Et toi là ? Quoi moi ? Bah quoi toi ? Bah bien sûr, bah tu sais pas maintenant, bah évidemment. Piment cabri. T'as toujours pas tes sneakers qui pouac ! Balance ta paire avec courir.